directement de Frima Studio. Voici Talent Not Included. However, here is a glimpse of what you may find in this game. Jumps. A shitload of jumps. Double jumps. Fire. Fire everywhere. Someone call 911. Hardcore gameplay. Clearly not meant for noobs. Revolutionary backgrounds. Forest. Winter. Desert. Did I mention jumps? Boss fights who actually deserve their title. Chickens. Starring for the first time. Et oui, en provenance du studio donc qui nous a offert en 2014 l'excellent Chariot, jouer de 1 à 2 joueurs, donc Talent Not Included d'ailleurs, peut se jouer également jusqu'à 2 joueurs. C'est en fait un jeu d'action, un pur jeu d'action et d'adresse et de rapidité dans lequel on va se retrouver en fait dans une pièce de théâtre assez particulier quand même, où il va y avoir un trio de monstres qui vont vouloir notre peau, n'est-ce pas? En fait, ils vont bâtir une pièce de théâtre. Nous, on va avoir trois personnages, trois acteurs, trois comédiens qui vont se retrouver donc dans cette pièce de théâtre de ce jeu d'action-là, qui se déroule principalement, en fait, ou entièrement plutôt, devrais-je dire, sur des rouleaux. Ce qui, de là, en fait, toute l'originalité de ce jeu-là, c'est que toute la mécanique, tout le plancher qui va se dérober sous nos pieds est en fait 7-8 rouleaux, un à côté de l'autre, qui vont tourner, qui vont monter en hauteur, qui vont pas se déplacer à un moment donné, ouf, ils vont se transformer à notre progression pendant un tableau et tout ça. Puis, pendant que les rouleaux, quand ils vont tourner le rouleau sur lui-même, va révéler peut-être, mettons, des espèces d'engrenages avec chauffé à blanc, c'est très rouge, feu, puis tout ça, ou lever des passerelles, des canons, des espèces de chiens robots, de chevaliers avec des boucliers, toutes sortes de trucs comme ça, des magiciens, des fantômes, même des poules qui vont nous dropper sur la tête. Avec ces rouleaux-là, vont nous emmener donc différentes difficultés, différents obstacles sur notre route, sur cette scène-là, parce que toute l'action se déroule dans le même tableau. En fait, on a notre petit personnage, donc notre comédien. Il y en a trois, dans le fond, pour les trois actes du jeu, plus un acte qu'on va débloquer, un coup qu'on aura fait les trois actes principaux du jeu. Le comédien avance sur la scène, il monte vraiment d'un côté du rouleau, avec l'éclairage, le follow spot qui suit. Là, t'entends les murmures de la foule. Là, ça va commencer. La foule applaudit, réagit à nos actions dans le jeu, puis tout ça. Là, on va sauter. Mettons, faut aller rejoindre, mettons, une espèce de boule jaune en haut à droite de l'écran complètement. Fait que là, faut sauter sur la passerelle, sauter sur l'autre. Oups, le rouleau va tourner. Il va révéler un nouveau plancher avec des pics. Saute par-dessus, fait une roulade. Oups, le rouleau va tourner. Il va révéler, mettons, un chevalier qui va avancer dans notre direction. Saute par-dessus, le tape deux coups dans le dos pour le tuer. Oups, la roue va tourner encore. Les rouleaux dans le bas vont tourner. Faire apparaître autre chose, et ainsi de suite. Puis là, pouf, on va toucher, mettons, à la boule jaune. Toc! Premier tableau du premier acte, mettons, passé. Les rouleaux tombent tous à zéro. T'sais, ils font comme tout se resetter. Les rouleaux, il n'y a rien dans le bas de l'écran. Les rouleaux sont comme tout égaux. Là, ils vont tourner, puis nous dévoiler une nouvelle scène. Un grand poteau avec une plateforme sur le haut. Faut aller grimper là-dessus en sautant, en évitant les canons, puis tout ça. Grimpe en haut, saute d'une plateforme à l'autre. Oh, OK, on a réussi, on a touché la boule jaune. Pouf, les rouleaux reviennent tout à zéro. On relève encore les nouveaux obstacles. Puis là, mettons, il y en a 5-6 tours comme ça à faire, jusqu'à temps qu'ultimement, ça ne soit plus juste une boule jaune à la fin de l'acte, mais plutôt du tableau, mettons. Mais plutôt une plateforme avec deux petits drapeaux pour dire que tu as fini, mettons, l'acte 1-1. Tu vas voir l'acte 1-2, 1-3, 1-3-1, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs comme ça à chacun des actes à traverser, à survivre à travers ça quand même, parce qu'il faut le dire tout de suite, le jeu est très difficile, personnellement, en tout cas. Le premier acte, qui se fait quand même relativement bien, le boss, quand même un peu difficile, mais c'est des patterns, il y a des éclairs qui vont tomber sur la tête, il faut les apprendre, tout ça. Je vais pas vous dévoiler les autres, pas vous dévoiler tous les punchs, mais le premier acte se fait quand même relativement bien. Je vous dirais qu'au deux tiers, il commence à se corser un peu, mais tu sais, on a développé tranquillement, pas vite, des techniques, le jeu nous prend pas vraiment par la main, faut que tu apprennes quand même par toi-même. Ça se fait quand même assez bien. On tombe au deuxième acte, oh, ça devient un peu plus difficile, les balles de canon, faut sauter dessus puis rebondir, il y en a qui sont en feu aussi également, puis tout ça. Puis nos trois personnages sont quand même très différents. Le premier acte, ça fait qu'un personnage, un chevalier un peu classique avec l'épée, le saut, puis tout ça, double saut, roulade. Le deuxième avec une fille, avec des coups un peu plus rapides, des roulades aussi. Le troisième avec un genre de sorcier un peu à la Gandalf qui va pouvoir se téléporter, c'est vraiment cool. Mais direct au premier tableau, le premier acte, le 3 du 1, mettons, super difficile direct en partant. Fait que là, tout de suite, faut que tu t'ajustes, faut que tu forces. C'est pas évident, je vous dirais. Même le boss du deuxième acte, quand la première fois qu'on va le rencontrer, quand même assez difficile aussi, la première fois qu'on le rencontre. Donc, les boss, dans le fond, on va les voir plusieurs fois dans le même acte. C'est un jeu le fun, OK? Vraiment trippant. C'est le fun à faire, c'est le fun à découvrir. Ça serait parfait dans une borne d'arcade. Avoir vu ça dans une borne d'arcade dans les années 90,
j'aurais vraiment trippé. Le jeu était parfait pour ça, vu que tout se passe dans le même écran. Il n'y a pas de défilement horizontal, verticaux, puis tout ça. Oui, l'image, mettons, va te faire monter un peu plus dans l'écran ou descendre, mais tout se passe principalement dans le même écran. Ça aurait été parfait sur une bande d'arcade. Mais bon, là, c'est sur console, c'est parfait aussi. Mais avoir été dans le temps, j'aurais trippé, j'en aurais mis des 26 cents dans ce jeu-là, mais là, c'est sur console. Tant mieux, tant pis, c'est selon les goûts. Mais ça reste un jeu particulier. Je salue son originalité. C'est vraiment très original comme jeu. J'avais jamais vu un jeu de ce genre-là, de ce concept-là. Le fait de mêler une pièce de théâtre avec des rouleaux mécaniques qui nous emmènent sur scène et tout ça, qui nous font faire des actions, c'est vraiment original, c'est flyé. La mécanique de jeu est vraiment le fun, mais je trouve qu'il y a un petit mou un peu dans les contrôles, un petit lousse un peu, qui fait que des fois, ça va être un peu punitif. J'ai l'impression des fois qu'on fait un peu... Il y a comme un petit vague, un petit flottement un peu dans nos actions, dans nos doubles sauts puis tout ça, qui fait des fois, on va mourir parce qu'on a mal calculé quelque chose, surtout quand ça devient les sauts qu'il faut sauter par-dessus des balles de canon. Il y a un canon qui va tirer, mettons, tout à gauche, un autre à droite. Il faut sauter sur la boule pour être capable, sur la balle qui passe, mettons, à rebondir au bon moment, puis pouvoir se propulser vers les airs pour aller toucher l'espèce de boule jaune avec un rond vert dessus pour passer à la portion suivante de l'acte. Des fois, c'est super frustrant, tu vas le manquer, puis tu as genre 4 cœurs, 5 cœurs de vie. Puis là, mettons, tu vas le manquer, t'es à l'acte 2 du 3. Puis là, l'acte 2 du 3 se divise, mettons, en 5 tableaux. Fait que là, tu le fais, rendu au quatrième tableau, t'as perdu tous tes cœurs, pouf, t'es mort. T'as recommencé au premier tableau, mettons, de l'acte 2 du 3. Ah, t'as recommencé au complet. Fait que là, tu réussis, presque, tu l'avais, il te restait un petit cœur, puis il y a une poule qui t'a droppé sa tête, t'es mort. Tiens, t'as recommencé. C'est sûr qu'à long, tu deviens super bon, tu développes tes techniques, tu deviens plus rapide, savoir éviter. Tu sais, quand il y a une balle qui va te toucher, tu fais une roulade, ça va te permettre d'éviter le coup. Mais des fois, c'est de sauter aussi. Ou tu vas tomber, tu ne vois pas trop le bas de l'écran. Hop, tu tombes aussi. D'ailleurs, je tiens à le préciser sur ma télé à moi, je ne sais pas si c'est répandu. J'ai pas trouvé l'option pour resizer l'écran, ça peut dire redimensionner. Fait qu'il y a des bouts que je vois pas dans le bas de l'écran puis d'un côté. Probablement un détail, peut-être que le jeu n'est pas adapté à tout ça, mais bon, moi, ça me faisait ça, fait que ça me gênait un petit peu. Mais rien pour nuire à l'expérience comme telle générale. Je pense pas être mort à cause de ça en général. Ambiance musicale, ambiance sonore, c'est vraiment cool. Le personnage parle pas, c'est juste des... Fait que ça te fait sourire à chaque fois, c'est le fun. La musique comme telle aussi, comme je disais, c'est très théâtral. C'est un peu style pièce de théâtre, c'est quand même le fun. C'est fort agréable là-dessus aussi. Mais ça reste un bon jeu, un jeu d'adresse pur et simple. Il se boucle quand même assez rapidement. Vous pouvez avoir peut-être un 3 heures pour faire ce jeu-là. Ça se passe quand même assez rapidement. Ça se passe assez vite. C'est sûr que c'est le fun de la repasser, parce que le but, dans le fond, c'est de faire le plus de points possible. Tu ramasses des bonbons qui vont te donner des points. Puis là, tu ramasses plus de trucs possibles. Tu peux dire, mettons, parce qu'il va y avoir tu finis, mettons, un acte. Là, il y a une barre de progression qui va monter. Un peu comme dans les jeux mobiles, tu sais, pour voir si tu as eu tes 3 étoiles. Mettons, là, c'est des masques. Le plus tu as fait de points, mieux c'est. Mais c'est sûr que tu peux les refaire puis t'amuser à faire plus de points le plus possible pour avoir un nouveau succès de 50 gamer score one shot ou 100 gamer score one shot, parce qu'elle monte quand même assez vite là-dedans. Mais donc, un 3 heures de jeu là-dedans. C'est quand même assez rapide. Puis comme je disais, on peut le faire à 2 joueurs aussi en même temps. C'est quand même le fun. C'est un gros plus là-dessus, ça c'est certain. Ça me rappelle les bons vieux contrats avec le tableau de la chute. C'était tough aussi à 2, puis sinon il va trop vite l'autre meurt. Mais bon, pas là-dedans, mais bon. Fait que c'est ça. C'est un bon jeu. Il y a une dose d'humour aussi là-dedans, quand même le fun. Un peu humour facile, un peu, tu sais, clin d'œil à différents jeux vidéo, l'univers geek, puis la pop culture, puis tout ça. Des jokes un peu faciles quand même, mais bon, c'est correct. Les vilains monstres, un peu, quand ils se font des blagues, puis tout ça, un peu style manga aussi. Quand il est fâché, il a face rouge avec un petit plus blanc dans le côté pour dire qu'il est bien fâché. C'est le fun, c'est rigolo, ça fait sourire aussi. Ça reste un bon jeu, une bonne expérience générale. Est-ce que je recommande l'achat? C'est pas pour tout le monde. Visiblement, c'est pas mon style de jeu à moi. J'ai eu du plaisir. Le niveau de difficulté à un moment donné m'a peut-être un peu frustré. J'aurais aimé ça qu'il y ait des continus, mettons, quand tu meurs au troisième tableau de l'acte 1 du 6, mettons. J'aurais aimé ça pouvoir, tu sais, mettons, dire continue, ok, mettons 3 continus, tu sais, mettre une limite, pas infini, mais juste quelques continus pour pouvoir recommencer l'acte à 0 à chaque fois. Ça me frustrait un petit peu, ça. Mettons, à recommencer le 1 du 3 au complet, quand j'étais rendu au troisième tableau, mettons, de l'acte 1 du 3. Tu sais, c'est pas divisé vraiment tableau 1, 2, 3, mais les rouleaux, quand les rouleaux, comme je dis au début, ils tombent tout à 0 puis ils recommencent, c'est là un peu que le nouveau tableau commence comme tel. Puis des fois, quand t'étais proche du but, puis tout, ça recommence à 0, c'est un peu punitif. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, maudit, je prends une pause, je suis tanné, faut jamais me calmer un peu, aller respirer dehors, en tout cas. Oui, c'est ça. Talent Not Included, un beau jeu de Frima. Je lui donne la note de 7,5 sur 10. C'est un bon jeu, mais c'est pas pour tous. Vous êtes un fan de jeux d'adresse, d'un univers 2D, tout ça, vous cherchez de quoi d'original, tout ça. C'est vraiment un jeu pour vous. Foncez là-dessus. Good job, Frima. Talent Not Included.